Alors, nous, c'est une propriété familiale. Notre père était ardéchois et on a repris d'abord mon frère la propriété. Ensuite, moi, je l'ai rejoint en 99. On est sorti de la cave coopérative pour faire ce genre de vin naturel. On dégustait beaucoup de ce genre de vin dans Beaujolais, chez Marcel Lapierre, et ça nous plaisait beaucoup. On est sorti pour faire ce genre de vin. On travaille de manière naturelle, au canétran. On laisse faire la fermentation, on intervient le moins possible, enfin on surveille. Et voilà, ce sont des cuvaisons assez longues, justement, pour que à fait, température assez basse, pour que tous les arômes, tout ce qu'il faut, tout ce qui doit être extrait puisse l'être. Et voilà. En général, ça dure de 18 à 2 ans de fermentation. Alors vous exportez où? Principalement, je veux le dire à peu près dans l'ordre d'importance, enfin je pense que c'est la Norvège et le Japon à peu près qui se tiennent, États-Unis, Angleterre, et puis Belgique, pas mal Belgique, voilà. Est-ce que ces gens viennent Allemagne. aussi vous voir de temps en temps à la cave? Toujours, toujours. Donc on se rencontre dans des salons professionnels, mais ils ont tous à un moment fait le déplacement au cuvage, sur place. Je crois que ça c'est hyper important pour nous, mais que surtout aussi pour eux de connaître le vigneron de vous. Voilà. Pourquoi ça marche? Pourquoi les Japonais aiment le vin naturel? Alors là, je crois que c'est alors eux particulièrement, ils ont plus de rigueur. Je crois que le soufre déjà chez eux est beaucoup plus légiféré que chez nous. Ils ont des doses de soufre qui ne sont pas admises dans toute la chaîne alimentaire. Donc ce sont les seuls à nous demander des analyses parce qu'au-delà, le vin ne pourrait même pas rentrer au Japon. Alors quand il n'y en a pas, alors là, ils sont super contents.